Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mic, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment débloquer le pouvoir de Tony Stark. Donc son pouvoir, c'est tout simplement son armure d'Iron Man. Alors, pour débloquer Iron Man, vous devrez déjà être pallié niveau 100 du pass de combat. Comme ça, vous allez débloquer les défis de l'éveil de Tony Stark. À ce moment-là, vous recevrez 3 défis à réaliser. Le premier défi est de conduire une Whiplash à une vitesse supérieure à 88 en tant que Tony Stark. Alors, bien entendu, il faudra que vous vous équipiez du skin Tony Stark pour réaliser ce défi. Alors, moi, je ne l'ai pas encore débloqué, mais c'est pas grave, je vous montre quand même ce que vous devez faire pour réaliser le défi. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller à Retiro. Au même endroit que moi, il y a toujours une Whiplash, donc une voiture de course, disponible dans cette allée de garage. Donc vous prenez cette voiture et ensuite vous roulez sur la route parce que sinon dans la terre ça ne fonctionnera pas, elle sera ralentie. Donc roulez bien sur la route et là vous mettez le boost et vous essayez de bien rouler. Comme ça vous allez atteindre les 90 km/h. Et là, vous aurez réussi le défi. Le deuxième défi est d'utiliser un établi d'amélioration en tant que Tony Stark. Alors, pour réaliser ce défi, vous devrez vous équiper de la tenue Tony Stark. Quand vous êtes équipé du skin, rendez-vous au même endroit que moi sur la map. Et là, vous avez une vieille décharge. Donc, vous avez de la construction en tout type pour pouvoir l'utiliser à un établi. Et en plus de ça, il y a un établi juste à cet endroit-là. Donc ce que vous faites, c'est que vous trouvez une arme de préférence grise. Comme ça, vous n'aurez besoin que de 10 matériaux de chaque type pour améliorer votre arme. Sinon, vous allez devoir farmer un petit peu pour améliorer l'arme que vous avez. En tous les cas, ce que vous devez faire, c'est tout simplement améliorer une arme à l'établi d'amélioration. Et là, vous aurez terminé ce défi. Et le troisième défi est d'utiliser une émote à l'atelier Stark en tant que Tony Stark. Alors pour faire ce défi, bien entendu, il faudra que vous vous équipiez de skin Tony Stark. Et ensuite, il faudra vous rendre au même endroit que moi sur le gameplay. Là, vous avez une sorte de grange. Et en réalité, ben, c'est tout simplement l'atelier de Tony Stark. Et ce que vous devez faire, c'est rentrer dans cette grange et faire une émote. Ce qui transformera Tony Stark en Iron Man. Alors, quand vous aurez terminé ce défi, vous pourrez vous transformer à chaque fois que vous utilisez le skin Tony Stark. Vous pourrez vous transformer dans n'importe quelle partie que vous ferez en faisant justement l'émote spéciale. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment stylé. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de l'éveil de Tony Stark. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.